Alors, dans cette vidéo un peu particulière, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée, qui est de savoir comment est-ce que je fais pour déplacer des pièces ou des ensembles dans Fusion 360 sans que l'on voit les mouvements de la souris avec comment dire, les différentes commandes à la souris, orbite, etc. Alors, le truc, c'est que j'utilise donc cette souris main gauche, ou appelons ça peut-être une sorte de mini joystick. Et si vous voyez les mouvements à l'écran, je ne sais pas si vous voyez les mouvements de mes doigts, mais il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment des pressions. Alors je sais que malheureusement cet outil, enfin ce device, comme on dit, ou ce périphérique, n'est pas gratuit, c'est vrai. J'ai acheté ça il y a déjà, je sais plus si c'est 4 ou 5 ans, ça fait déjà pas mal de temps, mais franchement, c'est super pratique, super confortable. Alors, bon, c'est pas du tout obligatoire, hein, on peut très très bien se servir de Fusion sans avoir ça, mais c'est vrai que moi j'apprécie énormément de pouvoir utiliser cet outil. Si vous regardez, bon, on peut aller zoomer à l'intérieur des trous, par exemple, pour voir un peu comment c'est fait, d'une façon sans à-coups, très souple, et c'est vraiment super pratique. Bon voilà, la vidéo n'a pas besoin d'être longue, c'est juste une rapide réponse. Je voulais simplement montrer, parce que je l'ai dit plusieurs fois en répondant à des questions, mais je voulais montrer comment ça fonctionne. Et là, je pense que vous pouvez voir, si vous regardez les mouvements donc de mes doigts sur le Space Navigator. Alors c'est la version la plus simple, la plus basique, filaire. Il y a deux boutons dont je me sers d'ailleurs pratiquement pas. Je ne sais plus s'ils sont actifs ou pas encore. Ouais, ils sont désactivés. Je les avais activés, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très. Enfin, moi, bon, pratiquement, je m'en sers pas. C'est pas très important. Mais voilà, ça permet, bon, par exemple, là, je peux déplacer l'objet en même temps que je le fais tourner. Voilà, c'est quand même sympa. Ou alors, on peut le déplacer en même temps qu'on va aller chercher une commande comme celle-ci, par exemple. Voilà, bon, bref. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Je vais mettre un lien en dessous pour pouvoir trouver cet objet sur Amazon, mais vous pouvez peut-être le trouver ailleurs, moins cher, peut-être sur eBay, j'en sais rien. Voilà, enfin, simplement réponse à une question souvent posée en vidéo. Et bonus supplémentaire pour ceux qui me disent exactement ce qu'est l'objet modélisé à l'écran. À bientôt, salut!